Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de Squadron 2. On va te faire un concours de cuisine où je vais massacrer l'équipe d'en face. Il y avait une petite histoire derrière, hein, je vous rappelle, la dernière fois on avait vu... Que ouais, il y avait une espèce d'histoire avec Kaio. Et là en fait, ils avaient empoisonné Barbara, celle qui s'occupe du stock, là où on peut déposer les objets. Ils les avaient empoisonnés, en gros, si Kaio rendait pas l'objet qu'il a volé, on sait pas ce que c'est, à l'organisation. Il la guérissait pas. Et en gros, ils se sont battus sur un concours de cuisine pour si la guérissait ou pas. Voilà, 4 seigneurs du loup dragon noir. Cette dépatte. Voilà, on sait toujours pas ce que c'est cette fameuse chose. Voilà, c'est une petite histoire annexe, on va dire. Et là, un truc que je vous avais déjà montré, ouais, aussi de la cuisine, on dirait qu'il y a des fenêtres, mais en fait, c'est pas des fenêtres. C'est des portes vitrées. Voilà. Et là, on retrouve bah, Yoshino qui fait la lessive, comme d'hab. Bah, maintenant, lui, il est là. Mais par contre, il y a un mini-jeu ici, en fait. On peut jouer 1000, 5000 ou 10 000. On peut gagner des trucs assez sympas, hein. Franchement. C'est loin d'être nul. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire jusqu'à ce que... Et le prix urne Céladon. Ça marche pas. Chance. Et on ne sait là donc pourquoi, parce que ça va nous aider à recruter un perso. Eh ben. Sifflet de chien, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être l'objet pour améliorer l'attaque des kobolds. Ah, décidément. En fait, je vous explique, en gros, il y a un perso, va falloir faire du commerce, vous savez, dans les comptoirs, là, et faire des bénéfices de 50 000, en fait. Et l'urne Céladon se vend assez cher chez le mec qui nous fait la quête. Et en fait, c'est du commerce, il faut faire un bénéfice des 50 000, donc si on achète une urne Céladon quelque part et qu'on la revend là... Enfin, déjà, c'est impossible, parce que ce qu'on a du jeu, il y a, je crois que les gens de Céladon, on se retrouve que chez eux. En plus, bah, si on achète 10 000, on la revend 20 000. Ça fait 10 000 de bénéfices. Par contre, si on la gagne ici, et même si on a payé dans le jeu, dans le mini-jeu, ça compte pas. Et du coup, si on la gagne ici et qu'on la revend là-bas, bah, on fera un putain de bénéfice, quoi. Mais ce salopard ne veut pas me la faire paraître! Ça va m'énerver. Putain. Bon, barre d'or, c'est bien aussi, mais... Je crois que ça se vend pas aussi cher que ça. Ah! Enfin, ça se vend cher dans certaines villes, mais pas dans la ville que je veux. Je crois que je vais me pendre. Eh, mais j'ai jamais vu ça. Je vous jure. D'habitude, je le fais. Mais ça, c'est... Putain, quand on filme des vidéos, c'est toujours la même chose. Pas possible, hein. On se calmer. C'est pas possible, quel enculé. Allez, merde! Putain, ça me fait comme l'attaque des kobolds, le truc qui va jamais apparaître. Ok. Ouais, me pends tout de suite ou maintenant là? Putain! Pourtant, ça devrait apparaître, hein. J'avais essayé hors vidéo et il apparaissait super vite. C'est pas pour me casser les couilles, quoi. Parce que sifflet de chien, ouais, ça se vend pas non plus là où je veux. Bah écoutez, vous savez quoi? On va se retrouver quand j'y arrive, ok? Ouais, à tout de suite. Heureux, voilà, donc on a bien les 10 000 avec l'Urne Céladon.
Je vous préviens, je suis énervé parce que là on dirait que c'est la suite de tout à l'heure, de ce que vous venez de voir quoi. Mais en fait non. C'est-à-dire que je me suis tapé à faire ça, j'achetais des trucs. Et en fait, il y a un putain de bug sur le perso que j'ai recruté, j'expliquerai ça quand on le verra, qui fait que j'ai dû recommencer la vidéo à partir d'ici parce que j'avais fait une sauvegarde rapide. Voilà, donc c'est merveilleux, hein, c'est le... J'ai jamais fait de sauvegarde rapide dans un walkthrough de ma vie. C'est la première fois. J'ai bien fait de la faire, au cas où je perde le mini-jeu, en fait, c'était à la base. Mais finalement, j'ai bien fait, parce que... Bon, je me suis quand même fait baiser ces 20 minutes de vidéo, mais... On va rien dire. Allez. Donc le principe du jeu, il faut monter en lançant le dé, hein, donc voilà, on monte, vous voyez l'écran à gauche, du nombre de crans qu'a le dé. Par contre, si on fait un 1, on retombe tout en bas. Sauf si on a placé un marquage, qui permet de pas retomber, en fait. Enfin, on retombe jusqu'au marquage de retomber jusqu'en bas. Donc c'est que de la chance, on peut le dire. Il y a un tout petit peu de tactique. Hein. Bon. Alors, on va l'accorder. C'est que vaut mieux des fois, si on a trop d'avance, placer un marquage au cas où, au cas où on fait un. Oh putain. Au cas où on tombe, quoi, on tombe jusqu'au marquage. Donc, si on a trop d'avance, il vaut mieux le faire pour pas perdre son avance, quoi. Voilà, après, il y a une chance sur 6 que ça tombe sur 1. Donc, normalement, on lance le dé. Ça doit aller, quoi. Vu qu'on commence en premier, si on a assez de chance, on doit arriver premier. Bon, c'est pas toujours le cas. Alors, essaie pas de lancer le dé mieux que les autres ou quoi, ça sert à rien du tout. Sans c'est aléatoire. Mais le plus important, c'est pas de pas faire de 1. Hein. Voilà. Bon, et pas faire que des 2 et les autres font que des 6 aussi. Voilà, ça fait ça si on a un 1. Bon, là, lui, il a de la chance, il a mis un marquage. Donc, si on retombe, bah, il sera premier sûrement. Voilà, lui aussi, il tombe. Alors là, vous voyez, j'ai énormément d'avance. Donc là, ce serait con de lancer le dé, tomber sur un 1, donc je vais passer un marquage. Parce que c'est le seul moyen que je perde, là, c'est de faire un 1, quoi, hein, franchement. Voilà, enfin, vous avez compris, le principe du jeu est très simple. Après, le premier gagne le premier prix, le deuxième, le troisième prix, quoi. Pas grand chose à comprendre. Il y a vraiment pas de chance, je suis par contre. Eh ben, je crois que ça m'est jamais arrivé qu'il y ait autant de. Voilà, ça peut valoir le coup, mais après le jeu coûte quand même très très cher. Hein. Même si on part des objets qu'on peut pas acheter normalement. Eh ben, bon bah au moins ça sera rapide comme ça. Voilà, donc je gagnais l'urne de Céladon. Alors, tout ça, hein, c'est pour un perso qui nous permettra de... comment dire? Vous voyez les commerces? Enfin, les comptoirs, là où on peut échanger, vendre ou acheter des objets de comptoir. Hein, ou certaines épices. Il faut faire 58 000 de bénéfices pour que le perso vienne avec nous, en fait. Et du coup, faut aller de ville en ville, acheter les trucs, les revendre plus cher dans l'autre ville, etc. Le seul problème, c'est que les prix changent. C'est extrêmement chiant. Par exemple, l'urne Céladon, là, vous voyez, normalement, à Grimminster, elle se revend 30 000. Mais des fois, elle se revend 7 000, des fois, elle se revend 20 000. Enfin, c'est complètement, mais complètement aléatoire, quoi. C'est de la chance. Faut le dire. Donc, faut faire gaffe, quoi. Alors, au début, je me demandais, bah, j'ai bien fait de recommencer la vidéo, remarque, hein. Même si j'avais pas vraiment le choix, faut le dire. Ario, oui, c'est un cuisinier, mais il peut combattre, hein. On va prendre Stallion, parce que Stallion, il est trop bien. Pourquoi Stallion est trop bien? Parce qu'il permet de courir sur la map. Et il permet d'avoir une rune pour s'échapper des combats aussi. 100% de chance. On va faire ça. On va se téléporter. Alors, pas à Banner tout de suite. On va aller au village des kobolds pour acheter certains trucs.
qui vendent assez cher. Qui vendent assez cher à Greg Minster. Parce que le perso en question se trouve à Greg Minster, hein. C'est pour ça que j'y vais. Donc je vais tout vendre là-bas. Voilà, texte ancien. Ouais, là il en vend qu'un, des fois il en vend 10. Enfin, c'est un peu. C'est un peu de la chance, hein. Voilà, mayonnaise, ça se vend cher ici, mais. Ça s'achète cher aussi. Ça c'est pas cher par contre, j'ai l'impression. Voilà, voilà. On va aller. On va aller à. Merde. Dégage. On va prendre le temps. Donc, il n'était pas obligatoire, hein, Stallion. Il fallait vraiment prendre Shiro et Kasumi. On va aller à Sasundo. Bon, le compteur juste à droite, faut pas le louper. Ah bah tiens, ça se vend encore moins cher. Par exemple, là, la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, c'était l'inverse. Ouais. Et c'était rien à voir quoi. Genre garçon pissant il se vendait il s'achetait deux fois moins cher. Et ça bah ça se vendait 1600. Donc du coup là je me suis fait niquer. Ah du coup je peux pas l'acheter là bien sûr. C'est ça qui est assez chiant hein, c'est pas de la chance quoi. Bon bah du coup je peux pas acheter le garçon puissant pour le vendre plus cher. Donc faut espérer que l'Anticéladon se vende à cher. C'est chiant. Bah on va se re-téléporter. Et je vous expliquerai le bug que j'ai eu qui m'a fait recommencer la vidéo quand on sera au bon endroit. On va essayer un truc, tiens. Je vais juste tester un petit truc. Voilà, faut absolument être sur la carte pour se téléporter, donc je vais prendre le bateau. Et on pourra se téléporter depuis le bateau. Juste tenter un truc parce que j'ai l'impression que c'est vraiment aléatoire. Là je recommence la vidéo au même endroit avec une sauvegarde rapide. Et j'ai pas du tout le même prix. Alors est-ce que ça change aussi vite? Est-ce que si là je retourne à South Window et que je vais au comptoir? Les prix n'ont pas changé. Par contre, peinture fleur, ça se vend cher, ça, non? 14 000. On va tenter. Il me semble qu'à Greg Minster, ça se vendra dans les 30 000. Même si c'est vrai, c'est plus de la chance. Mais... Ok, on va essayer. Alors. Le problème c'est que je peux même pas aller Greg Minster tout de suite pour essayer de recruter le perso dès le début. Je suis obligé de recruter d'autres persos avant parce que c'est un des persos. En gros là tous les persos que j'ai recrutés dans la vidéo, il faut un certain nombre de personnages avec nous pour enfin, on ait recruté un certain nombre de personnages pour que on puisse les avoir. Il me semble que c'est 80 ou un truc comme ça. Attendez, on va acheter ça. Si par hasard il y est. Broche de rose. Voilà. Alors ça, faut absolument acheter, ça servira à recruter un perso à Radat plus tard, qu'on peut pas faire puisque Radat et Couscous là sont envahis par l'armée Island.
Donc on pourra pas y aller tout de suite. Ouais. Donc là faut aller tout le temps à droite. On va aller au village des ninjas. Parce que c'est les deux seuls persos de la vidéo qu'on peut recruter tout de suite. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir d'autres persos pour les recruter. Enfin, je veux dire d'avoir recruté un certain nombre de persos, quoi. Il a pas la rune pour se barrer, lui? Je croyais. Du coup, on va faire ça. Ah, peut-être que c'est de base. Attendez. Vrai saint. Ouais, non, mais ça doit être ça. C'est chiant, on peut pas voir les runes à quoi elles servent. Ouais, si. Fuis 100%, voilà, oui. Donc avec lui, on peut fuir tous les combats qu'on veut. Sans souci. Donc c'est un perso très intéressant du coup pour ça. Puis un autre perso dans la vidéo où on aura besoin de faire pas mal de combats et de les fuir. Je vous en parlerai à ce moment-là. Donc là on va se retrouver au village ninja, et une fois qu'on aura ces deux persos, on aura assez de persos. Il y a deux persos à recruter dans le village ninja avec Kasumi. Une fois qu'on les aura, on pourra du coup recruter les autres parce qu'on aura assez de persos. Donc voilà, là le but c'est d'aller au village ninja qui se trouve à l'écran juste après celui-là. Donc ouais, ça vaut le coup d'Arstallion rien que pour ça quoi. Voilà, c'est ici. Vous vous rappelez la dernière vidéo, je crois que c'est la dernière ou celle-là encore avant. Ça a fait une scène où j'étais obligé de sortir du village, mais c'est parce que ouais, il fallait absolument ramener Kasumi d'abord au QG pour pouvoir faire le groupement. Donc là, ça va faire après la même scène, sauf que ça va s'interrompre en plein milieu. Je vais passer le dialogue assez vite parce que c'est pas très très important. Bon, elle demande l'aide du village. Elle accepte. Ouais, il est amoureux de Kasumi, en gros. On va dire oui, il va nous accompagner. C'est un perso puissant, franchement. Puis il a une attaque spéciale avec Kasumi. On va faire ça. Une attaque spéciale avec Kasumi qui fait dégâts fois 1,5 sur une personne. Voilà, perso très simple à avoir. Hein. Et ouais, c'est parce qu'on a Kasumi qu'on a fait ça. Alors, faut aller là aussi. Donc, si on a pris Valeria, je sais plus comment on fait pour recruter les persos, mais on peut pas le faire tout de suite, ça c'est sûr. Ouais, donc c'est le village le plus petit du jeu. Hein. Il y a juste... Voilà, lui. Et l'autre qui donne... Ah merde! Est-ce qu'on peut jeter? Ok de jeter. Pas bien parler la France. Parfait, parfait. Voilà donc un village minuscule comme je vous l'ai dit.
On va partir d'ici et puis on va se retrouver. On va se retrouver à Grigminster. Enfin, je vous montre juste l'attaque. C'est assez sympa. Attaque de Nula, quoi. C'est assez mal. Sachant qu'ils ont pas les armes augmentées au max. C'est assez sympa. Voilà, ben, on va se retrouver à Grigminster, à tout de suite. Voilà, nous revoilà à Grigminster. Vous épargnez le trajet, on le connaît. Et voici un perso. On peut recruter maintenant. Pareil, elle, si on a passé un certain nombre de persos. Donc là, en comptant les ninjas. Moi, sans les ninjas, j'avais pas assez de perso pour la recruter. On va dire ça. Ce qui nous fait une place libre dans l'équipe pour un perso plus tard. Voilà. Et maintenant, on va aller là. On se retrouve face à Gordon. Pareil, lui, il faut un certain nombre de persos pour venir. Si vous n'avez pas son nom et qu'on n'a pas ça, enfin, qu'il refuse direct, si vous avez pas assez de persos. Voilà. Super. Sac de... Et là, ça se vend 30 000. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, ça se vendait 7 000. Ok. Putain, encore ce bug. Merde. Bon. Comment dire? Je vais recommencer... Je vais pas voulu recommencer la vidéo une quatrième fois, ça me saoulait. Parce qu'à chaque fois, je dois faire l'aller-retour pour venir ici, puisque c'est la seule ville avec la ville des ninjas. Mais de toute façon, la ville des ninjas, on s'en fout, on n'y retournera pas. On est obligé de le se taper à pied, on peut pas se téléporter. On est obligé d'y aller depuis Banner. Donc bref, j'ai arrêté la vidéo, j'ai fait plein de trades en se téléportant entre South Window Forest et Village Kobold. Et puis voilà, j'ai réussi à faire les 50. Et voilà comment on recrute Gordon, ce qui est extrêmement chiant. Je pense que c'est le perso le plus chiant. Ça se pas... On peut pas le louper, mais c'est le plus chiant au niveau... difficulté, quoi. Bon, il me faut une urne Céladon quand même, ce qui fait chier, mais je vais l'acheter. Est-ce que j'ai d'autres trucs avant? Parce qu'il m'en faut une, hein, pour un perso, mais vous verrez plus tard. Alors. Voilà, donc ce perso, on l'a. Normalement, il n'y a plus de perso à recruter ici. Et maintenant, on va se re-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 taper. Le chemin à pied jusqu'à Banner. Allez bien vous faire foutre, ville de merde. Je veux pas qu'on vienne directement. Putain, c'est chiant parce que le talisman, il peut permet pas de se téléporter directement. Au moins ici, ça aurait été cool, quoi. Putain, c'est chiant. Voilà, donc, bah écoutez, on se retrouve... ça va être où? À la frontière Green Hill, Mathilda. Tout de suite... Ouais, c'est pas la frontière Grignel Mathilda, c'est à Banner en fait. Parce qu'il y a aussi un perso à Banner à recruter. Qui peut être assez chiant des fois à recruter. Donc c'est pas elle, elle en recrutera plus tard, c'est Hailey, mais on s'en fout. Par contre ici on a Anita. Donc quand elle nous demande ça, faut absolument dire ok. Si elle vous le dit pas ça, reparle-lui jusqu'à ce qu'elle vous le dise. Après faut lui reparler.
C'est un peu bizarre, hein. C'est un perso. J'avais jamais rien compris. Il faut lui parler 50 000 fois et... Bon, elle veut pas. Ah, mais elle dit mais cette femme, alors putain, peut-être qu'il fallait prendre China en fait. Je sais pas, j'ai déjà réussi à le voir sans China pourtant. Parce qu'elle parle de torrent et d'une... Ah mais non, mais China c'est pas une femme, je suis con. Va dire ça. Ouais, c'est comme je l'ai dit, c'est un des persos. Sont là, on recrute tous les persos les plus chiants à recruter, je vous jure, c'est une horreur. Entre l'autre qui buguait, on lui vend les trucs. Et c'est vraiment un bug, hein, parce que... En fait, la vidéo que j'ai pas... que j'ai coupée tout à l'heure, c'était encore pire que ça. Je lui ai revendu des trucs. Il restait plus que 2000 sur 5000, 150, 2000 sur 50 000, pardon. Je lui ai revendu le reste, et après il m'a dit, il vous reste 50 000 sur 50 000. Je lui ai dit, tu fous de ma gueule, là. Voilà, elle nous demande de faire plein de trucs. Ouais, enfin, Gordon, c'est buggé, c'est sûr et certain. Mais elle veut pas ou quoi? Bah, décidément, cette vidéo va me sortir par le... C'est... Je suis désolé, peut-être pas très agréable à regarder, je sais que je peux plaindre et tout. Mais franchement, j'en peux plus. Et il y a encore plein de persos recrutés derrière. Hein. Là, quand elle dit ça, faut absolument des requins, hein, comme je dis. Voilà. Alors que vous avez remarqué, j'ai rien fait de plus qu'avant. J'ai fait que lui parler, dire les mêmes réponses. J'ai rien compris à ce perso, mais voilà. Faut lui parler 50 000 fois. Si ça marche pas, ressortir et rentrer dans le village. Et dire oui à tout ce qu'elle dit. Et... Au bout d'un moment... Elle vient. T'as aucune idée de comment ça marche. Bref. Et aussi, il faut avoir un certain nombre de persos. Et les antitoxines, il n'y a pas besoin d'en avoir, hein. Peut-être que si on en a, elle vient direct, je suis pas sûr. Bah alors, en tout cas, je comprends rien. Bref, c'est pas grave, on l'a eu. Y a des persos comme ça. Et Anita, elle est assez puissante. Hein. Ah non, il y a un autre perso encore plus chiant à recruter, hein, mais c'est pas celui d'après. Lui, il sera à la toute fin de la vidéo, je pense, hein, parce que sinon, je vais me tirer une balle. Donc, faut aller là. Mais bon, le perso le plus dur à recruter, encore plus chiant à recruter, c'est de ma faute. Alors eux, on peut les combattre par un ensemble son numéro 5, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y a un ensemble son qu'on peut avoir avec eux. Voilà. En tout cas, faut parler à Bado. Voilà. Avec au moins un animal dans son équipe. Donc pour l'instant, on n'a que lui, de toute façon. Si vous avez un des écureuils, Moku Moku, Maku Maku, Moku Moku, là. Ça marche aussi. Voilà, Bado vient avec nous. Alors ça c'est très 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 important les cristaux de conscience. Je sais pas comment je vais faire le montage de cette vidéo, ça va être l'enfer, il y a plein de parties. Il y en a qui sont loupées, il va falloir que je me rappelle lesquelles c'est et tout. Ça va être horrible. Voilà. Donc on part d'ici. Ah toi le chat vient pas me faire chier. Dégage. Allez, dégage.
Putain, il va encore me niquer un truc pendant la vidéo. Oui. J'ai rien contre mon chat, hein. Ça se passe très bien d'habitude. Je croyais pas que je suis coupable de maltraitance envers les ennemis. Voilà. Il y a un autre truc à savoir. Le perso très dur à recruter, c'est Muku Muku. Si vous l'avez pas pris à Kyaro au tout début du jeu, quand on va à Kyaro au début avec Joey, et ben on peut le retrouver ici, entre la frontière Mus Green Hill et Green Hill, qui est là. Bon, on peut plus y aller à Green Hill, hein. Parce que je vous rappelle, on s'était échappé avec Teresa. Voilà, il faut avoir au moins une place libre dans le groupe. Combattre ici. On peut fuir les combats. Et au bout d'un moment, comme par miracle, on va aller dans l'équipe. Ah ben voilà, je l'ai eu. Vous voyez? Voilà comment on peut recruter le perso autrement. En faisant le truc en standard, quoi, c'est-à-dire... Putain, là, j'ai eu de la chance. Des fois, ça peut prendre 8 heures, hein. Il y en a, je vous jure, ils mettent plus de 12 heures pour l'avoir, de cette façon. Donc franchement, ne le loupez pas au tout début du jeu, faut parler à l'arbre près de la maison de notre grand-père au tout début. 3 fois pour l'avoir. Voilà, moi, je l'ai loupé. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de... nous montrer comment l'avoir ici. Voilà, il faut savoir qu'il y a 5 écureuils, il y a Muku Muku, et il y en a 4 autres qu'on recrute de la même manière, mais à d'autres endroits. Mais les autres, on s'en fout. Ouais, alors... on va... j'ai un truc à vous dire après. On va... aller là, pour une petite scène. Voilà, on trouve Aida. Alors si vous voyez que ma voix, il y a deux tenses d'un coup, en fait on voit peut-être pas, mais là quand j'ai affiché le menu, il y a eu une coupure. J'ai dû recommencer la vidéo depuis le début, sans commentaire, j'ai fait une connerie. Et pour vous dire, j'ai commencé à 2h-20 à faire la vidéo, et là il est 4h-20, 5h-20 pardon, du matin, hein, je précise. Donc ça fait 3h que j'essaie de faire cette putain de vidéo. Voilà, donc on va pas parler de ça parce que ça va être trop long. Je vais pas tout vous raconter. Donc voilà. Si je vous le raconte, ce sera un moment où il n'y a pas de dialogue. Je pense que ça va être un bêtisier cette vidéo parce que c'est la vidéo de Skoden la plus pas la plus chiante puisque c'est un peu de ma faute aussi, mais enfin si chiant quand même. La plus foireuse que j'ai jamais faite, quoi. Alors là, faut bien m'arrêter. Attendez. Le chat me casse les couilles en plus. Voilà. Et là, il se fait attaquer par 3 griffons. Bien sûr, hein, les villageois... voilà, je crois qu'il appelait elle ses amis. Et là, faut bien mettre, il faut le sauver, puisque la dernière vidéo, bah, j'ai mis, il ne faut pas les sauver. Et alors elle crève pas, mais lui, je crois qu'il crève. Enfin bon, en gros, non, elle se prend un coup et du coup, bah, on peut plus jamais avoir les persos et c'est irréversible. Donc, bah, je t'ai oublié de recommencer la vidéo. Voilà, ça fait la même chose, sauf que, bah, on les laisse. Bon, ils sont pas très forts, hein, franchement. Ouais. Ah merde, il est pas devant, lui. J'ai oublié de rechanger l'ordre des persos depuis que j'ai recommencé la vidéo. Voilà, et après ces deux persos, parce que c'est deux persos, hein, il y a Aida. Mais l'oiseau est également un perso. Faut sans leur Arbado, sinon ils apparaissent pas. Il sert à rien l'écureuil. Bah du coup, on va faire ça.
On va faire une IRT sinon l'autre sert à rien. Bon, c'est un peu du grand n'importe quoi. Donc ouais, pour vous expliquer, en gros, je me suis gouré des choix de dialogue là, du coup j'ai dû tout refaire parce que c'est irréversible. Sauf que, sinon c'est pas drôle, j'ai dû recommencer bien sûr depuis le tout début de la vidéo, enfin presque, depuis le jeu de la corde, que du coup j'ai pas fait. Mais, énorme méga problème pour le trading, pour avoir cet enfoiré de... Comment il s'appelle? Ah, le marchand là. Alors là, faut bien faire utiliser un cristal conscience. Hein. Ouais, c'est Gordon le marchand. Je vais vous expliquer les trucs avec les cristaux de conscience après. Ouais, du coup, pour Gordon, j'ai mis, sans déconner, 1h30. Parce que je pouvais pas racheter et vendre les trucs pas chers pour les vendre très chers parce qu'ils n'étaient pas disponibles. C'est-à-dire que les trucs comme les textes anciens qui se vendaient plus de 14 000, non, voire même 30 000 à certains endroits, étaient à zéro au village Cobalt. Donc du coup, bah, j'ai dû retrade des trucs à 1000, 2000. Ça m'a pris du temps, et en plus j'ai cru que j'avais assez parce que j'ai pas compté comme un connard, alors que j'avais pas assez. Et du coup, j'ai fait plusieurs allers-retours à Greg Minster pour rien. Vous savez, en se téléportant à Banner et en faisant toute la forêt jusqu'à Grimminster. J'ai également découvert au passage que si on utilise un talisman d'évasion pour quitter la forêt, ça l'utilise, ça le téléporte, et ça nous remet au même endroit où on était. En gros, c'est bien baisé, quoi. On perd le talisman, mais on bouge pas. Voilà. Donc, cerise sur le gâteau, quoi. Alors, sinon, les cristaux de conscience, on en a que deux. Faut savoir qu'on peut recruter 5 animaux dans le jeu. Mais que de certains animaux apparaissent que si vous en avez certains autres. Alors attention à ne pas recruter n'importe qui. Donc on a comme animal, on a Feather qu'on vient de voir. On a Siegfried qu'on va avoir bah, là tout de suite. Et on a... comment il s'appelle? Ouais, on a deux espèces de poulpes. Je sais plus comment il s'appelle. Olioda et... je me rappelle plus le nom de l'autre. Et si on a ces deux-là, on peut avoir Chuchora. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tous des... ils font pas tous partie des 108 étoiles. Donc moi, je vous conseille de prendre Feather. Bon, enfin, Feather, c'est obligatoire. Et Siegfried qu'on va avoir là. Parce que les autres c'est des comment dire, c'est des persos bah Chuchora il fait pas partie de 108 étoiles. Et je crois que Chuchora c'est si on prend pas Feather, une connerie comme ça. Bon, bref, c'est un peu comme Kasumi et Valeria. Si on prend soit une soit l'autre, vu que c'est la même étoile, ça change rien. Bah là c'est pareil, il y a certains des animaux qui sont la même étoile. Mais il faut pas prendre n'importe lesquels, sinon il y en a d'autres étoiles qui apparaissent pas. Donc cherchez pas, prenez Feather et Siegfried, et comme ça c'est bon. Ouais, Feather, Siegfried, vous verrez, c'est des animaux qui prennent, ils sont très grands, hein, comme vous l'avez vu, l'espèce de griffon. Et le deuxième, vous allez le reconnaître, puisqu'on l'a déjà vu en fait. Ils prennent deux places dans l'équipe. Mais par contre, on peut faire des attaques groupées avec les animaux. Et Bado. J'ai plus d'yeux, j'ai les paupières de 10 kilos chacune, là, c'est horrible. Bientôt 5h du mat. C'est la vidéo, là... Wow, j'avais pas fait une vidéo aussi bordique depuis très très longtemps. Voilà, alors normalement, il devrait apparaître ici. Voilà. Et voilà, c'est la licorne qu'on a vu à la quête de... Bah, à la quête de la licorne, justement. Il y a
Ah, il faut venir avec une fille, ça je m'en rappelle plus. Sasuke il va pas être content. Alors je sais pas si ça donne un truc spécial, non je pense pas. Hein. Non que dalle, c'est juste pour dire qu'il en vend. Voilà, bah ainsi s'achève cette quête. Enfin cette vidéo plutôt. Alors je sais pas, bon j'espère qu'elle est pas trop longue parce que je peux pas tellement voir hein, vu que je l'ai filmé en 5 ou 6 fois. Et que j'ai coupé des morceaux, recollé les autres, je vais peut-être même faire un bêtisier parce que là, ou qui est même voir souffrir, je pense que ça vous intéressera. Bah, je pense que je vais le faire, ouais, je vais coller les morceaux où j'ai loupé, je les ai pas tous enregistrés du coup, il y en a, j'étais trop énervé, je quittais la vidéo direct. Mais bref, j'ai bien souffert entre les 50 000 allers-retours pour Gordon, le fait que j'ai recommencé la vidéo plusieurs fois à cause du bug bas de Gordon, le fait que je m'égare de dialogue, et du fait que les persos n'étaient pas recrutés dans le bon ordre, du coup ils apparaissaient pas, enfin ils voulaient pas venir. Voilà, ben au final on aurait quand même recruté comment, dans l'ordre, on avait recruté les deux ninjas, donc Mondo Sasuke. On aura recruté Lorelai, Gordon, Bado, Siegfried, Feather et Aida. Et Mukumuku aussi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 persos? Ouais, 10 persos. Ouais, c'est ça. On a recruté 10 persos dans cette vidéo, donc c'est quand même pas mal. Voilà, bah quant à moi, je vais vous laisser là. Je vais peut-être aller dormir éventuellement. Et puis on va se retrouver à la prochaine vidéo pour la suite de l'histoire. Et peut-être que juste avant la suite de l'histoire, je recruterai un perso pour vous montrer un truc particulier que vous n'aurez peut-être pas dans toutes les suites de Splatoon 2. Bon, peut-être que si, je sais pas. Mais en gros, il y a un combat là contre le Cablite que normalement on peut pas gagner, mais avec une petite astuce on peut gagner si on recrute un certain perso. On peut le faire sans, mais c'est ultra méga compliqué. Oui, ultra méga compliqué. Ouais. Voilà. Bah vous verrez ça de toute façon dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Que j'ai pas trop dit d'insultes, on verra au montage ce que ça donne. La vidéo est pas trop longue, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Parce que c'est une vidéo où j'ai beaucoup souffert et j'ai besoin d'encouragement. Voilà, salut!